Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nioh et nous voici donc sur un drawing game consacré à Binding of Isaac. Un jeu évidemment dont vous avez sûrement entendu parler, et ce depuis un petit bout de temps, développé en partie par la team Myth et Edmund Macmillan, dont on reconnaît très vite le style graphique et l'humour pour le coup assez particulier. Alors comme d'habitude, je vais pas trop vous faire le speech du jeu puisque vous avez à votre disposition énormément d'infos disponibles un peu partout, comme l'épisode de l'univers du jeu indépendant par mon très cher Atomium qui à l'époque de sa sortie vous avait expliqué clairement le principe du jeu. Mais rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un roguelike où l'on incarne ce petit Isaac qui en échappant à sa mère guidée par une voix divine veut vous sacrifier. C'est très joyeux, hein. Et on se retrouve donc dans les salles souterraines bourrées de créatures de toutes sortes aussi dégueux les unes que les autres. Donc c'était la version courte, alors on va s'intéresser un petit peu plus à l'ambiance du jeu qui pour le coup est aussi originale que malsaine, on y retrouve cet humour dont je vous parlais un petit peu qui ne plaira pas forcément à tout le monde et pas tellement conseillé aux plus jeunes d'ailleurs. Alors on aura droit que ce soit des items et des bestioles très très particulières qui reprendront des designs d'insectes, de larves ou de morceaux de corps recousus, bref. Tout ça dans un style cartoon avec des couleurs chair et sang qui vous suivront pendant votre descente aux enfers. En parlant de bestioles, j'ai choisi pour le dessin de représenter un certain Monstro. Alors en plus du fait qu'il me fait particulièrement marrer avec ses quelques dents qui se battent en duel ou ses expressions faciales, il est l'un des tout premiers boss que vous rencontrerez dans le jeu. Alors après je rappelle que c'est aléatoire et que chaque partie est différente, tout comme les rencontres des boss justement, mais vous risquerez de toute façon de tomber bien souvent sur ce Monstro qui a même plusieurs versions, celle-ci étant la première, et qui reste assez emblématique je trouve des designs de monstres dans le jeu. Notez également cette gencive absolument charismatique. Et bref, un jeu plein d'idées au niveau des créatures, vous pourrez d'ailleurs partager un petit peu vos boss ou ennemis préférés dans les commentaires si vous voulez, puisque vous en trouverez un sacré nombre au fil de vos parties. Et pour ceux qui s'intéresseraient plus au gameplay du jeu, vous pouvez, si vous le désirez, aller un peu sur des streams qui vous montreront de sacrés runs où vous pourrez vraiment profiter du jeu dans sa quasi-intégralité, comme ceux de MrMV ou même de Crawling Flesh et plein d'autres qui connaissent le jeu absolument par cœur et qui, contrairement à moi, possèdent un skill absolument surprenant. Donc sur ce, en espérant que ce Monstro, bien que pas très content, vous aura donné le sourire, portez-vous bien et à la semaine prochaine sur jeuxvideo.com. Ciao.